Ah, les filles du quartier, c'est la magie. Mon. Momo, tu manges quoi là-bas? Je te l'aurais sauté, mon frère. Tu l'aurais sauté? Oui. Non. On appelle ça riz cantonné aux épices élégants. La chaussure une fois et puis regarde, tu vois, enfin regardez. Donc si vous avez l'intention de l'acheter, parce que j'ai vu des gens, oh, elle est belle ta chaussure, elle est belle. Oui, moi aussi je l'avais vue chez Ingrid. Et puis je disais, elle est trop belle. Ingrid m'a prévenu qu'elle est difficile d'entretien, qu'elle a porté la sienne 4 fois et elle est foutue. Alors que Ingrid qu'on a entretenu ses chaussures, quoi. Regardez, une fois. Là, on l'a nettoyée. Hein. Donc là, elle est censée être propre. On l'a nettoyée, mais j'ai même peur de la donner encore au nettoyage parce que j'ai peur qu'on la bîme davantage. Donc, si vous voulez l'acheter, la mienne est très belle. Merci beaucoup pour vos compliments, mais vraiment, prenez celle en cuir. Au revoir. Merci pour tes bons et loyaux services. Petite sœur, laisse-moi te parler. Ma petite sœur, laisse-moi te parler. C'est comme la chaussure aussi. C'est-à-dire, elle est magnifique. Mais l'entretien, regardez. Et s'il vous plaît, c'est le pressing. Hein. Irrécupérable. La mode n'est pas bien. La chaussure, les couleurs. Et moi, tu dis qu'il y a une qui est sortie avant l'autre. L'autre, c'est la dernière. Bon, là, maintenant, tu checkes, tu essaies de voir la différence. Tu ne trouves aucune différence. Les voilà. Je ne les porte plus. Que vais-je faire de vous ?